Commençons par le commencement. À Ribeauvillet, comme dans de nombreuses autres communes de la région, la réception des vœux du maire et de la municipalité est une animation importante. C'est le moment de faire le point sur l'année écoulée, de faire l'inventaire des travaux réalisés et surtout de présenter les projets structurants, les projets d'avenir souhaités et élaborés pour le bien-vivre de la collectivité locale. À Ribeauvillet, les personnes de plus de 70 ans se retrouvent plusieurs fois par an à l'occasion de moments conviviaux proposés par la ville de Ribeauvillet. C'est ainsi qu'une fête des aînés est organisée en janvier. Un déjeuner est offert, suivi d'animations diverses tout au long de l'après-midi. Ce sont bien sûr les conseillers municipaux qui font le service et honorent ainsi les aînés de Ribeauvillet. Première grande manifestation au calendrier 2023, le Carnaval des enfants. Organisé par le Conseil municipal des enfants et avec un énorme soutien des associations Pfeifferväter, Ribototem et Tlustiger Pfeiffer, cette cavalcade anime et envahit l'artère principale de Ribeauvillet. Chacun y voit un petit air de Pfeifferteuil pour les plus petits. Masqués et déguisés ou tout simplement grimés, les enfants ont investi chars et autres dracars dans une débauche de confettis. Cette cavalcade semble réveiller Ribeauvillet, semble sortir la ville de son sommeil hivernal. Dans tous les cas, c'est une véritable animation appréciée par les touristes et les riverains présents en ville en ce début de mois de février. Le cortège a eu pour destination le jardin de ville où les enfants étaient attendus par des montagnes de friandises. Quelle aventure, ce carnaval de Ribeauvillet! Le marché de printemps paysan lance vraiment la saison des grandes animations à Ribeauvillet. La place de l'Hôtel de Ville accueille une trentaine d'exposants qui présentent leur savoir-faire, qui mettent en avant les produits du terroir. Le tout dans une ambiance pascale et printanière. Bien sûr, l'harmonie municipale Foggesia est présente au quasi complet pour le traditionnel concert apéritif. Démonstration de vaniers, tartes flambées, sans oublier le concours du meilleur kouglof de la ménagère organisé par la confrérie des rois mages. C'est encore Laetitia qui a remporté le prix du meilleur kouglof. Pour l'ouverture de la semaine olympique et paralympique de l'école du Rothenberg, la tradition du relais de la flamme olympique a été transposée à Ribeauvillet. Olympie étant un peu loin, c'est sur la place de la mairie que la flamme a été allumée mardi 4 avril. Accompagné par Eric Cueni, ambassadeur de la semaine olympique et paralympique 2024, et par la police municipale à cheval, les élèves se sont ensuite relayés jusque dans la cour de leur école pour y allumer, comme les grands, une vasque symbolique. Cette cérémonie s'inscrit dans les actions pédagogiques du programme de la semaine olympique et paralympique à l'école du Rothenberg. Les élèves ont également suivi une conférence animée par Eric Cueni sur l'olympisme, ses valeurs et la place de Ribeauvillet dans son histoire. Plus personne n'ignore la nécessité de se mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la planète. Le savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. C'est en substance
ce qu'ont décidé de faire les classes de CE2 et de CM1 bilingues de l'école du Rothenberg à Ribeauvillé. Ils se sont inscrits à Ma Petite Planète et se sont ainsi engagés à relever chacun au moins 30 défis. En avril, les écoliers participant à l'opération ont relevé le défi de semer des graines. Les équipes de la commune leur avaient préparé un espace proche de l'école sur lequel ils ont pu s'initier à la technique du semis à la volée. Il ne leur reste plus qu'à faire preuve de patience avant de profiter, sans doute avec un peu de fierté, du résultat de leur travail. En partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace, le handball club de Ribeauvillé a accueilli au gymnase municipal 5 joueurs professionnels du Célesta Alsace Handball qui évoluent en première ligue nationale. Les ateliers proposés ont mis en avant l'importance de la mobilité, du respect de l'adversaire, des règles et des arbitres, ainsi que de la nécessité d'être solidaire avec ses coéquipiers. Depuis de nombreuses années, la ville de Ribeauvillé organise une fois par an, en avril, la journée Fleurir la cité sous le chapiteau du jardin de ville. Contre remise d'un coupon par foyer à présenter sur place le jour de la manifestation, 4 plants de fleurs de saison sont remis aux habitants de Ribeauvillé. Des milliers de plants de géranium et autres fleurs d'agrément trouve preneur pour un fleurissement optimal de la cité. En été, le jury sillonne les rues de Ribeauvillé, à pied ou en calèche, pour dresser le classement du concours de maisons fleuries. Rappelons que l'effort des particuliers s'ajoute au fleurissement municipal et contribue au maintien du label 4 fleurs détenu par Ribeauvillé depuis 1983. Les lauréats sont honorés et récompensés lors de la traditionnelle soirée des maisons fleuries dans la salle du parc. La Ligue contre le cancer a lancé dès 2015 la mise en place des espaces sans tabac qui ont pour objectif d'éloigner les fumeurs des zones plus particulièrement fréquentées par les enfants. Les élus du conseil municipal des enfants se sont saisis du problème des adultes qui attendent leurs enfants à la sortie de l'école avec la clope au bec. Ils ont proposé d'éditer un flyer à distribuer dans les écoles et de réaliser un marquage au sol des espaces sans tabac en complément des panneaux installés avec le soutien de la Ligue. Les jeunes du conseil municipal des enfants se sont ensuite attelés à peindre cette signalisation devant l'entrée de l'école du Rothenberg grâce au pochoir réalisé par le Ribolab. À Ribeauvillé, la journée citoyenne a marqué le début du printemps. Avec près de 300 bénévoles, cette 5e édition a été un véritable succès. Dans tous les coins et recoins de Ribeauvillé, on débroussaillait, on grattait, on piochait, on nettoyait, on pelletait, on peinturlurait, on balayait, on sciait, on vissait, le tout sur une 20aine de chantiers différents. Basée sur la convivialité, cette journée mobilise un maximum de bénévoles pour la réalisation de chantiers d'amélioration du cadre de vie. C'est surtout l'occasion de mieux se connaître, de faire tomber les barrières, de permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer à la population, bref, de resserrer les liens qui nous unissent et d'en créer de nouveaux. Les 300 bénévoles, tous dotés d'un t-shirt bleu, ne sont pas passés inaperçus tout au long de cette journée d'entrée. Une équipe
sérieuse et quasi professionnelle, s'est occupée à préparer la collation de midi avec même un atelier pâtisserie pour les plus jeunes. Le jardin de ville est le point de départ des courses du Tenchel organisées par l'ASRA, l'association sportive ribeauvillée Athlé-Route. Trois épreuves différentes s'attaquent toutes au massif du Tenchel, la montée des Trois Châteaux avec un circuit de 11 km, le circuit des Verreries avec 22 km et l'épreuve reine, le trail du Tenchel avec 33 km et plus de 1500 mètres de dénivelé positif. Au vu des trois tracés, il faut être sportif et surtout endurant et courageux pour terminer les épreuves. Le Tenchel est connu pour ses parcours montagneux et sélectifs. Depuis février 2022, Ribeauvillé entretient un parrainage avec la 2e compagnie du 152e régiment d'infanterie, également surnommé 15-2. Ce parrainage avait été matérialisé par la signature d'une charte d'amitié destinée à renforcer les liens entre la cité des Ménétriers et l'armée. Cette charte a été renouvelée officiellement le mercredi 31 mai en présence de la compagnie et des élus. Une journée d'animation a été organisée au jardin de ville en présence des membres du conseil municipal des enfants. Ces derniers ont pu se familiariser avec le matériel militaire. Attention, attention, il faut tenir comme ça. À Ribeauvillé, la fête de la musique ne joue pas forcément le 21 juin. Cette année, c'était le 17 juin. Premières images, celles de l'inoxydable Foguesia, qui, dans son style et son savoir-faire incomparable, a animé la cour Jeanne d'Arc. La fête de la musique est l'occasion pour tous les musiciens de se produire en public. La ville de Ribeauvillé organise cet événement de telle façon que tous les styles de musique, ou presque, peuvent s'exprimer. Sur les différentes places, devant certains restaurants, dans des cours, on a pu écouter du jazz, bouger sur du métal ou encore se laisser embarquer par des sets de DJ. Bref, c'est tout ça, la fête de la musique. À Ribeauvillé, il est souvent question de musique et même de musique ancienne. Voici quelques extraits du Madrigal de Venise. Un concert donné dans l'église Saint-Grégoire à l'occasion du Festival de musique ancienne. Pour sa 38e édition, ce festival est passé à l'heure d'été et a changé de saisonnalité. Sous la houlette de Christiane Roth, sa nouvelle présidente, ce festival s'est tenu dans les lieux de culte des différentes communes du pays de Ribeauvillé. Laissons s'exprimer la pureté des voix et des œuvres anciennes. D'autres arts anciens, d'autres métiers d'antan, c'est à l'atelier Musée des Arts et Techniques Graphiques que des sessions d'initiation ont accueilli des enfants de 8 à 10 ans. Organisée par la ville et les bénévoles de l'association qui anime ce lieu, cette expérience a ravi les artistes en herbe. Ils ont pu découvrir, de manière ludique et enrichissante, les techniques artisanales de reliure, de typographie et de lithographie.
Le point culminant de cette journée créative a été l'atelier de lithographie. Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination en dessinant sur des pierres calcaires à la craie grasse. Ces dessins ont ensuite été imprimés sur des sacs en tissu qu'ils ont pu emporter chez eux. Ribeauvillé a fait la une des journaux télévisés qui ont tous diffusé les images de la première Coupe du Monde de vitesse de highline. Levez les yeux, retenez votre souffle et admirez une compétition de vitesse de highline à 250 mètres d'altitude. Une traversée époustouflante au départ du château de Saint-Ulrich pour arriver au massif du Bilstein. 30 des meilleurs athlètes mondiaux provenant des 5 continents et de 16 nationalités différentes se sont affrontés sur une étroite ligne tendue entre les châteaux du Geersberg et Saint-Ulrich. Cette Coupe du Monde de vitesse vise à développer l'aspect sportif de la discipline tout en faisant découvrir cette pratique aux novices. Les ateliers de découverte installés dans le jardin de ville ont contribué à la découverte et à la vulgarisation de cette discipline audacieuse. Discipline sportive plus conventionnelle, mais non moins intéressante, le vélo fait de Ribeauvillé une ville départ du Tour d'Alsace. Les préparatifs se tiennent sur le site du casino. Le peloton traverse la cité médiévale avant de s'élancer sur les pentes vosgiennes. Le départ réel est donné à la sortie de Ribeauvillé. La nuit tricolore du 13 juillet, veille de la fête nationale, la commémoration est avant tout une mise à l'honneur des sapeurs-pompiers du centre de secours de Ribeauvillé. C'est une prise d'armes dans le jargon traditionnel. De nombreux sapeurs, sous-officiers et officiers ont été décorés ou ont changé de grade en évoluant dans leur cursus de soldats du feu. Après la remise de distinction, la ville a distribué lampions, torches et flambeaux pour la préparation du défilé qui devait emmener tout ce beau monde jusqu'à la place de la République. Passé 21h, le défilé, à pied et motorisé, a démarré au pas cadencé donné par l'harmonie en direction de la ville haute pour la suite des festivités qui se sont terminées tard dans la nuit. Bien que l'annulation du feu d'artifice et déçu bon nombre de personnes, cela n'a pas empêché les fêtards de profiter de ce moment de cohésion nationale. La période estivale est le meilleur moment pour parler du camping de Ribeauvillé. Pour Camille et Benjamin, c'est la première année de gestion de ce camping 4 étoiles proposant 200 emplacements ici, non loin du centre-ville. Le camping Pierre de Coubertin est un véritable hôtel de plein air avec de nombreux services dans un cadre fleuri. Tiens, tiens, la caravane semble se garer toute seule. On n'arrête pas le progrès. Cet été, la caméra a pu assister à la pose de la base technique de l'aire de lavage destinée à la viticulture. Soutenue par la municipalité et accompagnée de nombreuses subventions, cet équipement est le premier du genre en Alsace. La gestion des produits chimiques du traitement des vignes, l'optimisation de la consommation d'eau, mais également un grand pas en avant dans le développement durable. Voilà le but de cette aire de lavage spécifique. Le soleil est au rendez-vous en ce dimanche après-midi 3 septembre.
Comme à chaque fois, le public est venu nombreux et flâne encore dans les rues une demi-heure à peine avant le début du défilé. Les habitués sont venus en fin de matinée avec leurs chaises ou leurs pliants pour s'assurer les meilleures places, de préférence à l'ombre. Les autres s'installent où ils peuvent, s'agglutinent contre les murs des maisons, sous un porche, un pas de porte ou directement assis sur les pavés. Et soudain, on entend comme un murmure parcourir la foule. Ça y est, ça commence. Le roi des ménétriers en tête du cortège invite le public à reprendre en chœur l'hymne traditionnel « Etesh Pfiffertoy » comme une incantation magique qui nous fait entrer dans un monde différent. La légende du roi Arthur a traversé les siècles et reste toujours vivace aujourd'hui pour faire partie du patrimoine culturel occidental. Depuis la nuit des temps, les chevaliers de la Table Ronde, Brocéliande, l'île d'Avalon, Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, la Dame du Lac, la fée Morgane, l'épée Excalibur et la quête du Saint Graal nourrissent l'imaginaire et les fantasmes de chacun entre rêve et réalité. Le roi Édouard mène son royaume et son peuple à la catastrophe. Banquets, orgies, bacchanales, l'Angleterre est en pleine décadence. Un char avec un énorme sanglier rôti et des danseuses dans des chorégraphies lascives illustrent la dépravation et la déliquescence qui règnent. Il faudrait un miracle pour sortir le pays du marasme. Un rocher planté d'une épée, une prophétie redonne espoir aux gens de Ribeauvillé. C'est tout cela qu'illustre les chars du cortège, les chorégraphies, les costumes, dans une explosion de sons et de couleurs, d'extravagance, de folie, d'inventivité et d'inattendu, qui, à leur passage, émerveillent et surprennent un public envoûté et émerveillé qui n'a pas d'autre choix que celui d'applaudir pour se libérer d'un enchantement chaque année renouvelée. Les légendes sont tenaces, l'histoire est factuelle. Ce qui restera dans la mémoire des milliers de spectateurs du Pfiff, ce sont la qualité et l'inventivité des ménétriers du XXIe siècle, la richesse et l'originalité des chars, les couleurs et l'ambiance fantasmagorique du Pfiff 2023. Appréciez les images qui suivent.
ne sait pas si le roi Arthur a réellement existé. Mais une chose est sûre, ce premier dimanche de septembre 2023, il était à Ribeauvillé. Ce défilé mythique est en quelque sorte la concrétisation d'une année de travail. Connaissez-vous les fameux hangars du PFIF ? Ici, sur des centaines de mètres carrés utiles, chaque association participant au Pfiffertoy dispose de son atelier où, semaine après semaine, les bénévoles créent, inventent et peaufinent les chars et les costumes en respectant au mieux les plans et maquettes d'Antoine Helbert. Le renouvellement du revêtement de la piste d'athlétisme du stade Pierre de Coubertin est certainement passé inaperçu aux yeux des non-sportifs. Et pourtant, cette piste, d'une longueur de plus de 300 mètres, est de type stabilisé cendré. Pour cette piste créée en 1966, il fallait revoir le revêtement de course tous les 10-15 ans. À la rentrée, élèves et sportifs ont eu une nouvelle piste. Pour les journées du patrimoine, la ville de Ribeauvillé ouvre grand les portes de ses bâtiments historiques. Pour 2023, l'hôtel de ville a de nouveau été à l'honneur. Après la partie arrière, rénovée depuis peu, le public a découvert ou redécouvert les différentes salles de la mairie. Guidé par des passionnés de l'histoire de Ribeauvillé, les visiteurs ont pu découvrir les richesses et les trésors de la ville. Le trésor, justement, quelle richesse, quelle finesse! Madame, ceci est un anap, un calice en or de la famille des Ribeaupierre. Tout au long de l'année, ce trésor est dévoilé au groupe en faisant la demande, comme ici, les écoliers. Au dehors, les 14e puces du patrimoine ont rassemblé une quinzaine de libraires spécialisés dans les livres anciens et d'occasion et proposant des livres pour bibliophiles et passionnés de sujets précis, des livres d'occasion à très bon prix, des bandes dessinées, des gravures, des affiches, des livres en allemand, des alsatiques, des cartes postales, bref, de quoi attirer une petite foule de passionnés et de connaisseurs. Comme chaque année, la médiathèque de Ribeauvillé a organisé une grande vente de livres retirés de collection. Tous les livres étaient vendus à 1 euro pièce. Enfin, pour clôturer ces journées du patrimoine, le Cercle de recherche historique a proposé sa traditionnelle exposition avec pour thème cette année les commerces de Ribeauvillé du Moyen-Âge à nos jours. Un bond dans le passé de Ribeauvillé pour tous les curieux et férus d'histoire. Reparlons un peu de la médiathèque installée dans une partie de l'ancienne école des Sœurs. La médiathèque dispose d'un fonds de 9000 ouvrages, romans, documentaires, alsatiques, encyclopédies et usuels, bandes dessinées, mangas, albums et romans jeunesse, ce fonds étant régulièrement enrichi de nouveautés. Cafés littéraires, jeux de rôle, rencontres, débats, après-midi contes sont les principales animations organisée par la médiathèque. Ces animations, annoncées à l'avance dans la presse régionale et les réseaux sociaux, concernent des publics de tous âges. La médiathèque de Ribeauvillé est ouverte du mardi au samedi et reste accessible par internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le Ribolab partage les mêmes bâtiments que la médiathèque. Le Ribolab
est un lieu dédié au partage de savoir dans le domaine des technologies nouvelles. Il est accessible à toutes et à tous. Le Ribolab promeut la formation, l'invention et la fabrication dans le monde numérique. Son emplacement idéal au cœur de l'Alsace, entre les villes de Colmar et de Sélestat, fait de ce Fab Lab un des plus intéressants du centre Alsace. Comment définir un Fab Lab ? La caractéristique principale des Fab Labs est leur ouverture. Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers de tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. etc. Il regroupe différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Il constitue aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques, objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils, etc. La section sportive scolaire équitation, SSSE, du Collège des Ménétriers de Ribeauvillé s'est créée en 2020. Grâce à un partenariat avec le centre équestre PG Team de Ribeauvillé, où se déroulent les cours, et le comité départemental d'équitation. Ainsi, 21 collégiens ont la possibilité de s'adonner à leur passion, le cheval, tout en poursuivant leurs études. La SSSE s'adresse à tous les cavaliers motivés, passionnés par l'équitation, qui souhaitent s'épanouir en suivant un cursus d'enseignement général tout en bénéficiant d'un complément d'entraînement approfondi. Le partenariat avec le centre équestre PG Team de Ribeauvillé permet aux élèves de bénéficier d'horaires aménagés dans leurs emplois du temps afin de pouvoir dégager 2 heures de pratique par semaine. Le deuxième Oktoberfest, qui s'est déroulé samedi 14 octobre dans la salle du parc à Ribeauvillé, a rencontré un succès retentissant, comme en témoigne l'affiche complète apposée sur la porte dès 19h. Décoration aux couleurs de la Bavière, bleu et blanc, et un public parfois en tenue de circonstance, lederhose pour les messieurs et dirndl pour les dames, annonçait une belle soirée festive, un peu comme à Munich. Et pour que la tradition munichoise soit totalement respectée, c'est le mass, demi-poulet traditionnellement servi au repas de la fête, qui a assouvi l'appétit des convives. Et enfin, pour que la fête soit totale, le groupe Willerthaler a assuré l'animation musicale durant toute la soirée, avec toutes les chansons et musiques adéquates. Pour la commémoration de l'armistice de novembre 1918, la météo s'est montrée digne d'un début d'hiver. Froid ressenti et légère pluie ont enveloppé le jardin de ville. Et pourtant, quelques centaines de personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale. Le protocole est relativement simple pour de telles commémorations, lecture de messages de paix, prières œcuméniques, dépôt de gerbes par les autorités civiles et les anciens combattants, le tout accompagné par les sonneries réglementaires. Pour cette année, l'hymne national a été interprété par les jeunes écoliers, accompagnés par l'ensemble des participants. Un verre de l'amitié servi
à la Rotonde a clôturé cette commémoration. Dans les locaux de l'ancien tribunal, il semblerait que Noël ait déjà commencé. Les ateliers de décoration ont ouvert leurs portes aux habitants de Ribeauvillé, désirant confectionner une décoration respectant les idées de la décoration municipale, plus ou moins émises par les équipes de Claire Brechbühler. Chacun a pu s'initier à la fabrication de bougies, sapins et autres angelots. Au fil des années, Ribeauvillé s'est forgé une belle renommée d'authenticité au travers de sa décoration de fête. Avec la Saint-Nicolas, on entame vraiment le cycle des fêtes de fin d'année. À ne pas confondre Saint-Nicolas et Père Noël. La médiathèque de Ribeauvillé met en avant cette différence et explique la légende de cet évêque du 3e siècle. Un cortège emmène une centaine d'enfants jusqu'au jardin de ville. Petite scénette sur l'histoire de Saint-Nicolas, chanson accompagnée à la guitare et friandises. Saint-Nicolas, vous êtes bon avec les enfants. La cité des Ménétriers vous accueille pour un marché de Noël authentique et riche en animation. Rencontrez les rois mages et leurs chameaux, laissez-vous entraîner au son des musiques médiévales. N'oubliez pas de déguster un morceau du fameux sanglier à la broche. Voilà ce qu'on a pu lire dans les communications officielles annonçant le marché de Noël de Ribeauvillé. Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une joyeuse ambiance médiévale. La cité des Ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue de proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original et réussi. Son lot d'animation crée le dépaysement avec ses gueux manants, danseurs et baladins, en déambulation dans les rues de la ville. Les étals du marché de Noël médiéval de Ribeauvillé ravissent les gastronomes et les touristes venus par milliers pour déguster gourmandises salées et sucrées et autres sangliers à la broche accompagnés de cervoises et de vin. Les amateurs de décorations, de couronnes de l'Avent, de crèches artisanales, de bougies, trouvent ici des offres authentiques, loin du Made in China. Ce marché de Noël s'apparente à un vrai spectacle pour petits et grands. Terminons ce film avec les images du spectacle pyrotechnique du 31 décembre. La municipalité n'avait pas pu tirer le feu d'artifice du 14 juillet par risque d'incendie dû à la sécheresse estivale et a eu la bonne idée de procéder au tir de ce feu d'artifice le 31 décembre à minuit. Plusieurs milliers de spectateurs avaient répondu à l'invitation et ont entamé la nouvelle année place de la République à Ribeauvillé. C'est ainsi que se referme le livre de 2023. Une nouvelle chronique s'ouvre dès aujourd'hui, celle de 2024.